Et salut à tous les amis, c'est BatPolygon et Xoma pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft et je vais vous apprendre à faire un parachute. Donc les amis, maintenant avec le nouveau mob Phantom, on a une nouvelle potion qui est apparue, c'est... le Snow Falling. Cette potion qui nous permet clairement d'avoir une sorte de parachute en fait. Petit command block de la famille, et on va commencer tout de suite. En premier, on va commencer à tester une canne à pêche. Voilà, on fait Enchantaropaz P leur 1, on met en fiction. Donc on met un comparateur, et là on va tout simplement lui dire de nous équiper d'un plastron en cuir. Normalement, c'est bon. Et puis, on va mettre l'effet Slow Falling. Donc voilà, on met Slow Falling 1. Une seconde, on met une puissance de 5 avec Slow pour pas qu'on voie les particules. On le met en répétition, puis ensuite c'est pas fini. Il nous faut une torche de redstone qu'on va placer ici. On place un gros bloc ici. Et dans celui-là, on va lui dire de clear tous les effets. Voilà. Et ici, on va lui dire de nous enlever le plastron. Voilà, on va mettre clear arrobase P laser chest plate. Donc ça va nous dégager notre parachute. On va mettre le petit levier, bam, on l'active. Et là, si on prend une canne à pêche, bam, ça nous active le parachute. Donc l'effet chute lente, donc slow falling. Et donc là, si on switch, on n'a plus le parachute. Et donc, si je chute directement avec le parachute ouvert, ça nous fait une chute lente. Ça accélère au fur et à mesure, c'est normal, mais on va pas prendre de dégâts. Je suis actuellement en survival. Donc là, clairement, je plane. Donc là, si je me lâche, oh putain! Donc là j'ai le parachute activé donc je ne risque rien. Je ne risque carrément rien du tout. En y pensant un peu, ça fait un peu comme les élytres. Bon et ben voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et à me rejoindre sur Twitter et mon Discord. Moi je vous dis à plus les amis, c'était BatPolygon.